Africain de Maputo. Et vice-champion d'Afrique en 2011, Kamal Rahmani. Et arrivée du Polonais. Il fait son entrée là, vous le voyez. Arrivé donc le Kamal Rahmani. Kamal Rahmani qui arrive. Jean-Robert Laine, le juge français, c'est lui qui va officier de combat. Ouais. Kamal Rahmani qui fait son entrée sur le ring. Le voici. Avec le début du premier round de ce cinquième et dernier combat, alors que on rappelle que la franchise algérienne a déjà assuré sa victoire sur les Hussards de Pologne avec 3 victoires. Superbe victoire de Shadi. Abadi a confirmé et Nabil Kassel, ça a été le clou de la soirée. Nabil Kassel qui nous a sorti un grand match face à un adversaire de taille. Mais... oui, c'est surpassé Nabil Kassel pour offrir cette victoire. Il l'a voulu cette victoire, il voulait revenir et il revient. Mais espérons que ça va se terminer en apothéose avec Kamal Rahmani, que vous voyez sur votre écran là. Kamal Rahmani, boxeur qui a de l'expérience, qui a l'habitude donc des grands événements. Alors que dans cette catégorie de poids, rappelez-vous qu'on a aussi un très grand boxeur, Boulouddine Chouaïb, qui la semaine dernière ici a été la révélation malgré la défaite contre les Russes. Il a fait un très grand match. Voilà, donc il a assuré donc une place sur le podium dans sa catégorie. Chouaïb Boulouddine qui se classe à la 3e position sur 43 boxeurs que compte cette catégorie poids. À peu près la même taille, même si Kamal paraît un peu plus grand, mais je pense que c'est à peu près la même taille que début. Voilà, c'est les super lourds. Donc, voilà, début de la rencontre. Voilà, Rahmani Kamal qui a touché avec son bras arrière, donc une droite. Le Polonais est un peu légèrement plus petit. Absolument. De taille, il est cher à travailler au corps. Et Kamal Rahmani qui essaye de toucher au visage. Voilà, travaille au corps du Polonais. Ouais, Kamal qui... voilà, il remise.
Voilà, il monte en haut, le Polonais. Il est plus petit de taille, donc. Ah, il faut faire attention au contre. Voilà. Plus de coups de la part du Polonais. Il est plus précis que Rahmani. Ouais. Mais on n'en est qu'à la première reprise. Voilà, il essaye de toucher au corps. Voilà. Il y a les deux athlètes qui se parlent. Voilà, il y a de la bagarre dans l'air. Ah ouais, c'est vraiment de la bagarre là. Ce niveau à cette catégorie de 91 kilos, c'est. Voilà, il y a Kamel qui revient. Pas oublier qu'il reste encore 4 rounds, donc à... Il faudra les tenir. Voilà. Voilà, et Kamel qui touche à la tête. Alors qu'on se rapproche de la fin de la premier round. Ouais. Mais je pense que. À l'avantage du Polonais. Oui. Je pense que le Polonais a placé beaucoup plus de coups. Voilà. Donc. Légèrement, hein, légèrement à l'avantage du Polonais ce premier round. Dans ce dernier combat, dans les 91 kilos. Kamel Rahmani, que vous voyez sur votre écran, face à ce Polonais. Voilà, c'est le Polonais qui essaie de. Comme ça, il espère fatiguer Rahmani, travaille au corps. Et il monte donc. Voilà. En plus, ah ouais, voilà, 9, 10, faveur 9, 10, 9, de voilà, c'est sûr. Donc, logique. Sudzilouski, j'espère que je n'écorche pas le nom. Qui mène dans ce premier round, mais il faut rappeler que la victoire est déjà acquise pour la franchise algérienne. Avec le début du second round. Kamel Rahmani qui paraît plus déterminé, mais attention. Voilà, donc plus de la fréquence de coups, elle est plus importante de la part du Polonais. Ah, qui arrive voilà. À toucher. Ah, il arrive touche. À toucher quand même, malgré sa taille qui est inférieure à Rahmani. Il est plus jeune aussi. Il est plus jeune, oui, 22 ans, le Polonais. Voilà, toujours travail au corps. Ah, il est coriace le Polonais. Il est coriace. Ouais, il s'accroche, il lâche pas. Et il est plus rapide. Il lâche pas, voilà, avec les coups. En coup isolé, Rahmani il est plus efficace. Voilà, il essaye de remonter un petit peu. Voilà. Dans cette catégorie des lourds, donc déjà, à partir du deuxième round, on sent que il commence à se fatiguer. Surtout, Rahmani a 33 ans, c'est quand même... Oh, coup de tête. Voilà. Ça, c'est
coup de tête. C'est les Polonais, donc c'est la deuxième fois qu'on le voit. Donc il avertit le juge ou l'arbitre et donne un avertissement pour coup irrégulier, coup de tête. Voilà, il lâche pas le Polonais, il travaille au corps, voilà. Mais je pense que comme ça, il va se fatiguer hein, s'il essaye de... Il faut qu'il le laisse faire, mais de temps en temps, il faut accélérer Kamel. Comme ça... Pour espérer marquer quelques points. Ouais. Voilà. Ah. Ah, elle protège, il perd, sans protège donc. Plus que 11 secondes dans cette deuxième reprise. Difficile de tenir 5 rounds. On est qu'au deuxième round. Ouais. Il faudrait accélérer vers les fins des reprises comme ça pour essayer d'influencer les juges. Mais je pense que même là, ça va être un avantage pour le boxeur. Non, avec l'avertissement... Ah bon, ça risque. Peut-être équilibré, on... On le revoit donc sur la répétition que même les coups de Rahmani ne sont pas bien précis. Voilà, un coup précis là. Voilà. Mais voilà, les coups sont aléatoires. Donc, voilà, 19 en faveur. Bon, il y a un juge qui a donné le Polonais, mais avec l'avertissement. Absolument à côté. Voilà, c'est en faveur de Rahmani Kamel. Il reste quand même 3 rounds à tenir. Allez Kamel. On sent quand même l'impact des coups, Nordien. Ah oui, oui, on voit, ça fait... Et des deux côtés, c'est du lourd. Ah, c'est du super lourd, ça. Voilà, Kamel qui touche. Allez, Kamel avec ouverture, faut pas se découvrir. Qui travaille un peu, on est percute. Voilà, les deux hommes sont fatigués. Ah, pénible ce troisième round pour les deux boxeurs. Ah oui, ah là, voilà. Il a touché le Polonais. Il s'accroche, c'est la fatigue. Ouais. Voilà, il sort avec le crochet de Kamel. Ouais. Il arrive difficilement Kamel Rahmani. D'autant plus que son adversaire est plus jeune que lui, que Kamel Rahmani.
Il faut qu'il essaye de le garder à distance parce que le Polonais, il essaye d'avancer sur lui, de se rapprocher, voilà. Mais son poids. Ah, il est là toujours. Kamal, il essaye de. Oui, crochet. Voilà, le même rythme pour les deux boxeurs. Ah bah ouais, c'est... Du tout. Avec bientôt donc le quatrième round de ce dernier combat, hein, de ce dernier combat. Donc je vous rappelle que Mohamed Felicien avait perdu de peu hein, lors du premier combat. Abdelkader Jadi, le capitaine, lui, avait arraché la victoire. Puis il y a eu cette confirmation d'Abadi, Yassir Abadi, dont on avait dit beaucoup de choses. Et puis Nabil Kassel qui nous sort un grand match aujourd'hui. Il nous sort hein, vraiment quelque chose de magnifique aujourd'hui. Nabil Kassel qui lui permet donc de prendre une victoire sur... Et là, vous voyez, c'est donc le dernier combat de la soirée. Donc, Rahmani et 9-10. Voilà. Deux juges pour le Polonais. Pour le Polonais. Pour Kamal Rahmani. Alors qu'on est dans la quatrième reprise. Encore deux. À tenir. Les deux hommes sont fatigués. Absolument. Voilà, mais il y a une réaction du Polonais. Elle est touchée au visage. Hein. Ouais. Plus précis, le Polonais est plus précis dans ses coups. Il le touche, le Polonais qui touche, il touche Kamal Rahmani ouais. Beaucoup plus souvent que ne le fait Kamal. Mais Kamal est plus lent, donc c'est ce qui donne donc la possibilité au Polonais de toucher. Alors qu'on se... Il reste plus qu'une minute. Ouais, Kamal. Je pense que le cinquième round va être très très disputé entre les deux hommes. Parce je pense que Kamal devra tout mettre dans... Rahmani devra tout mettre dans ce cinquième round s'il veut remporter une victoire pour terminer. Ah, il touche en crochet. Oh là là, c'est... Ah, fatigué, hein. Ah oui, il arrive plus. Ah, plus que 10 secondes à tenir dans ce quatrième round. Ah, encore une fois, donc, mais il a une réaction, le Polonais. Là, à chaque fois, il a une réaction. Dès qu'il est touché, il réagit vite. Voilà. Avec la fin. Ah, ça sera un cinquième round déterminant. Absolument. Donc, avantage pour donc, le Polonais pour ce round. Je pense qu'il a dominé les 4 rounds, hein, les 4 rounds, il les a dominés, donc, peut-être légèrement, mais il les a quand même dominés. Il faudra qu'il nous sorte quelque chose que Kamal Rahmani dans ce cinquième round.
Ah, on voit le Polonais, les deux hommes sont fatigués. Hein, donc, Le plus jeune et plus rapide dans ses mouvements. Ouais. Ah, même le poids, Rahmani, il est plus lourd. Donc c'est ce qui ce n'est pas à son avantage. Hein. 9-10, 9-10, 9-10. Hein, voilà, en faveur de Polonais. Donc il faudrait qu'il se surpasse pour ce dernier round. Voilà. Cinquième et dernier round de ce dernier combat. C'est un dernier combat, donc le dernier round. Ah, Kamal qui veut. Il la veut cette victoire, Kamal, je pense. Ah, un échange entre les deux hommes. Ah oui, c'est devenu un combat de rue. C'est plus. Ça, c'est l'effet de la fatigue. Absolument, hein, absolument. Donc, et je pense que ça ne doit pas faire mal des coups comme ça. Non, en certains cas, ça fait mal. Hein. Oui. C'est le poids du corps. Hein, qui donc, je vois avec le bras, c'est vrai. Voilà, bonne réaction de Kamal. Je pense que les deux boxeurs n'attendent que la fin du combat. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est devenu celui qui marquera le plus de points. Ah, il ne veut pas lâcher le Polonais, on le voit. Et lui, c'est rapide. Plus rapide, oui. Allez, une minute encore. Une très longue minute. Ah hein. Ouais. Pour les deux hommes, c'est. Absolument. C'est... Ben, on le voit dans leur mouvement. Même si le Polonais, on le voit, il est beaucoup plus rapide. Déterminé. Ses... Ouais. Elle le touche bien, il le touche. Allez, 20 secondes. Voilà, oui, une accélération des deux hommes. Plus que quelques secondes. Voilà, à fond. Fin du combat. Ouais. En faveur du Polonais. Voilà, jusqu'au bout quand même. Donc on rappelle donc avant qu'on nous donne le verdict final, on sait que c'est le Polonais qui a dominé un petit peu, mais on rappelle qu'il y a eu 5 combats et il y a eu 3 victoires des Algériens. Donc je rappelle les vainqueurs, c'était Abdelkader Chadi. C'était Lies Abadi et Nabil Kassel. Nabil Kassel, donc ces 3 victoires permettent à la franchise algérienne de réaliser leur seconde victoire après celle acquise d'une très belle manière à Blida face aux Mexicains. 5 combats sur 5. Aujourd'hui, on a vu quand même de beaux combats. Voilà. Donc cette 9e journée de la phase donc,
régulière. Il reste un combat, donc un match Algérie-Argentine. Donc Argentine-Algérie, ça sera en Argentine. Donc le dernier match de la franchise de la phase régulière. En espérant, donc en attendant les résultats des autres franchises pour voir le classement de la franchise Algérie qui est toujours en course pour espérer se qualifier au quart de finale. Voilà donc, c'est sur ce. Voilà, victoire donc du Polonais. Donc victoire voilà. Du Polonais, deux juges contre un juge qui a donné égalité pour les deux boxeurs. Donc on voit deux juges pour le Polonais et un juge qui a donné égalité pour les deux boxeurs. Ben, c'est sur donc ce dernier combat qu'on va se quitter. Mourad, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir donné toutes ces indications. Écoutez, moi je vous souhaite donc de passer une agréable soirée, restez branchés sur Canal Algérie, à la prochaine. Au revoir.